Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forming 7. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va, j'ai la forme. Je tenais à m'excuser qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, car j'étais pas du tout motivé. Et du coup, bah, j'ai préféré me laisser une semaine de repos pour que je puisse faire une vidéo sur de bonnes bases, en étant motivé et tout et tout. Et du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va faire des semis de pommes de terre, comme ce que je vous l'ai dit dans le dernier épisode. Du coup, j'ai commencé un petit peu en off pour préparer le GPS, tout ça. Du coup, ouais, bah, du coup, je vais me remettre là. Du coup, on est sur le Fendt 724 Vario avec les pneus étroits, donc les pneus spécialement pour la patate et puis tout ce qui est épandage phytosanitaire et tout ça. Du coup, hop, je peux y aller. Mince, hop. Et hop. Hop, du coup, voilà, on est parti. Du coup, ça y est, donc j'ai rempli le semoir, oui, le semoir à patates à fond. Donc, du coup, il a 100%. Du coup, je tiens à vous dire qu'il y aura des épisodes cette semaine. Donc, il y aura l'épisode qui arrivera mardi. Hop. Qui arrivera mardi, ce sera bah, les pommes de terre. Et l'épisode 10 qui sortira vendredi, ça sera certainement, bah, je vous dis pas, ce sera, je vais vous le dire, sera sur l'auto-chargement. J'ai décidé de vous présenter un beau pack de mods que j'ai déniché ça cette semaine, qui est super magnifique, bien animé, bah, bien même bien scripté. Bon, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans l'épisode 10. En attendant, je voulais vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur. Du coup, comme vous savez, je m'étais lancé un RP sur Farming 17. En début, quand j'ai commencé les premières vidéos sur FS17, je me suis lancé un défi. Je me rappelle, c'était l'année dernière, je me suis lancé. Je voulais vraiment faire du RP, mais en fait, le RP, c'était vraiment un RP à l'arrache. On va pas se mentir. Que là, vu que je suis dans une team, du coup, vu que je suis dans une team. Hop. Voilà, hop. Vu que je suis dans une team, du coup, les idées, bah, les conseils d'un RP, vu que mon pote Gabin a fait son RP, du coup, franchement, il m'a appris plein de trucs. Que voilà quoi, que sur Fichtelberg, le premier RP que je voulais faire, c'était un RP à l'arrache. Du coup, il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien. Que là, je vais pas vous mentir, le texte est déjà commencé. Je veux dire que le RP est vraiment mise en route, le RP est en route. Du coup, vu que le RP est en route, j'ai commencé à écrire les scénarios. Du coup, le petit souci, c'est que je sais pas si quand est-ce que le premier épisode va sortir. Si tout se passe bien et que j'avance en temps et en heure comme ce que je me suis fixé, ce que je me suis fixé, bah, je me suis fixé. Quand est-ce que le RP sera fini? Quand est-ce qu'on pourra commencer le premier épisode? Pour l'instant, je pense que va falloir que je recalcule ce que j'ai fixé. Parce que je pense que je vais pas avoir le temps de tout finir en temps et en heure comme ce que je me suis fixé. C'est-à-dire que j'aimerais bien commencer le premier épisode. En fait, quand tout le scénario sera écrit, j'aimerais bien que ce soit fini fin. Fin. Parce que je suis en vacances dans 2 semaines. J'aimerais que ce soit fini fin mai. Début mai quoi. J'aimerais qu'on commence la série. Début mai, mais si c'est pas le cas, je reporterai ça au pire en juillet, fin juin, début juillet. Et si c'est vraiment pas le cas et que mes potes sont pas disponibles pour tourner et que j'ai pas encore fini le scénario, à la limite, je préfère autant repousser ça sur le phase 19. Déjà, on aura un jeu encore plus net, encore ouais, encore plus net, avec beaucoup plus comment dire, de petits détails qui fait qu'un RP qu'un bon RP pourrait avoir lieu sur une map, je sais pas, sur une map FS19. Parce que déjà sur un simple Apache, on peut ouvrir les portes des maisons. Du coup, ça c'est super bien pour le RP. Et si on peut ça sur la prochaine map, sur un simple Apache, à mon avis on pourra faire ça sur FS19, sur les maps qui vont sortir. Et du coup, ça sera super cool. Du coup, voilà, donc ça sera, si vraiment c'est pas possible, je reporte sur la phase 9, donc c'est-à-dire j'aurai tout le mois de septembre pour peaufiner l'histoire, pour écrire les scénarios, tout ça. Là, je suis vraiment hyper motivé parce que vendredi soir, j'ai quand même réussi à écrire le scénario. J'en avais discuté avec mon pote Kevin
mon pote Kevin m'a quand même mis, comment dire, pas la pression, mais vraiment l'envie de continuer l'histoire, parce que j'étais vraiment, on va dire, chaud. Du coup, j'ai avancé au niveau des scénarios. Et du coup, pour ce qui est du scénario, vu que j'ai avancé sur le scénario, ce qui va se passer, c'est que, là, je suis en train d'écrire, mais il faut vraiment que je sois motivé, parce qu'il y a des jours où je suis pas trop inspiré. La motivation, je l'ai pour le RP, mais parfois, c'est vrai qu'il y a des jours où je suis pas trop motivé, du coup, c'est chiant pour continuer l'histoire. Et du coup, je suis inspiré ce qui se passe dans la vie réelle, quoi. C'est comme pour créer une histoire, faut que les gens soient inspirés pour créer l'histoire dans un livre, enfin voilà quoi. Vous voyez le détail. Du coup, voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. En tout cas, je vous donne pas trop d'informations, parce que je sais pas quand c'est ce qui va sortir. Mais au fur et à mesure que j'avance, je pense que je vous donnerai peut-être quelques petites infos à propos du RP. Mais sinon, ceux qui me suivent, n'hésitez pas à mettre un commentaire quand est-ce qu'on commence le RP. Par contre, pour ceux qui me suivent dès le début, c'est vrai que quand j'ai commencé sur Fichtelberg, j'avais trouvé quelques personnes pour l'RP. Les personnes, je sais pas si elles continuent à me suivre ou pas, si elles me suivent, je suis content. Par contre, je suis désolé pour les gens qui me suivent. Le RP, bon après je pourrais trouver du monde, mais je pense que je vais le faire avec ma team, quoi. Avec mon pote Kevin, tout ça. Je suis désolé, quoi. Donc voilà. Je préfère faire ça. Hop, ça me snap. Du coup, voilà, donc, je préfère pas vous donner trop d'informations là-dessus. En tout cas, je donnerai quelques détails au fur et à mesure des épisodes. Et s'il n'y a pas de détails, c'est que j'ai pas abandonné le RP. Mais c'est que j'ai peut-être pas forcément eu le temps trop d'avancer. Ou alors c'est vraiment que voilà quoi, que ça va arriver. Et que, en tout cas, ne vous inquiétez pas, le RP, c'est sûr qu'il y aura le RP. Mais je vous donne pas trop d'informations pour le moment, parce que je sais pas quand est-ce que le premier épisode va sortir. Et du coup, voilà. Donc je continue. Ok, donc je vais me mettre là. Hop. Donc du coup, je continue les pommes de terre. Hop, c'est bon. Du coup, voilà. Ok, c'est droit. Ouais, donc du coup, comme vous avez pu le voir, là, du coup, je joue avec le Fent. Bah, là, vous avez vu que je suis avec le Fent. Vous entendez les petits bips, normalement, parce que là, vous avez deviné que je suis avec le GPS. Vous pouvez voir les traits de GPS. Du coup, hop. Du coup, c'est un GPS, je veux dire. Pour tous ceux qui me suivent, je pense que vous savez ce que c'est ma préférée, c'est John Deere et Fent. Du coup, vu que je joue avec, avec ce mode qui est super bien, du coup, c'est plus simple pour les pommes de terre pour faire, pour essayer d'être droit. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu... Ouais, encore ça, c'est droit. Je suis pas déçu. Donc, hop. Mince. Mince. Voilà. Hop. Je peux avancer. Ok, donc c'est bon, j'ai passé mi. Du coup, vu que le GPS est mis, ça fait du travail droit. Donc c'est vrai, j'ai un petit, peut-être un petit peu de bon, là, je repasserai à pire après, c'est pas grave. Du coup, les pommes de terre vont me servir pour deux choses. Ça me servira, de toute façon, je pense qu'on fera l'arrachage de pommes de terre dans un épisode. Et vous les amis, vous inquiétez pas. Les pommes de terre vont me servir pour simplement réutiliser la plante. Donc je réutiliserai la pomme de terre... les boutures de pommes de terre pour les ressemer, donc ça sera la semence quoi. Et l'autre partie servira pour la pour nourrir les cochons. J'ai pas encore acheté les cochons parce que j'ai pas assez de paille. Les champs que j'ai semés, il faudrait qu'on commence à les moissonner. Je pense que je ferai ça certainement avec la team. Du coup, pour tout ce qui est cochons, j'achèterai quand j'aurai la paille. Et pareil pour les vaches, parce que j'ai pas assez de paille pour le moment pour acheter les vaches. Et j'ai même pas d'ensilage. Je crois que j'ai un peu de foin, mais encore le foin, j'en ai pas énormément, donc il faudrait que j'en refasse. J'en ferai peut-être en off. Et du coup, voilà. Donc, vous inquiétez pas. Tout est calculé. De toute façon, je pense que sur cette série-là, il y aura peut-être pas 20. Ça me plaît de faire 20 épisodes, sinon ce sera 15 épisodes. Si vraiment, il y a plein de trucs que j'ai pas encore fait les moissons, où il manque vraiment beaucoup de choses, je pense que ça sera carrément à 20 épisodes. Du coup, voilà. Donc, hop, du coup, on est parti. Hop. Hop, du coup, voilà. Donc je pense que je vais pas finir l'épisode. Bref, quoique il reste. Ouais, je pense que je ferai encore 2-3 allers-retours. Et puis après, ce sera là, les amis. Donc, là, c'était simplement faire un peu de semis de pommes de terre. C'est vrai que je vous en ai parlé la semaine dernière. Je pense. Je sais pas si ça va être bio les pommes de terre. Bref, non, je pense que je mettrai un petit engrais. Je verrai. Parce que j'essaie de faire limite quelques champs bio et quelques champs pas bio. Donc voilà. Mais en tout cas les amis, pour revenir un peu sur l'RP vite fait, j'ai vraiment la hype de le faire. Franchement, je suis vraiment pressé de commencer. Bon, l'histoire n'est pas encore faite, donc du coup je préfère finir l'histoire, ce qui est vraiment important.
Mais franchement, quand je vais tourner, je pense pas que je vais être déçu, parce que l'histoire, tous mes potes me disent elle est cohérente. Franchement, c'est vraiment, ça peut donner vraiment du lourd. Et franchement, j'essaie de faire un truc vraiment très très propre, quoi. Vraiment un truc qui casse la rétine, quoi. Je suis pas abusé non plus, mais enfin un truc très beau à voir et enfin qui est assez. Mince, qu'est-ce quoi? Ah mince, je peux l'ouvrir. Hop, du coup voilà. Mince. Voilà, ok. Je vais l'ouvrir, c'est désactivé. Ok, du coup c'est bon. Ah par contre c'est mal fait, je trouve que ça tourne là quand je recule. Ouais, ouais, bon, tant pis. C'est farming, enfin. Hop. Mince. Hop, je recule. Hop. Et voilà, on est parti. Voilà, ok. Donc c'est droit. Franchement, GPS est vraiment utile. Franchement, je l'ai réglé là. J'ai fait bah, les bons réglages. Franchement, c'est utile. Il y a plein de gens qui savent pas trop utiliser le RP. Quand je pense à quelqu'un, genre quelqu'un qui va se reconnaître, qui s'appelle Timothée. On fait pas partie de la team, mais c'est vraiment un pote qui est vraiment super sympa. Du coup, je pense que je ferai peut-être un tuto sur. Je pense que je ferai limite un tutoriel sur le course play. Je pense sur Goldcrest Valley, j'essaierai de faire un tuto pour le course play, parce que j'en ai fait un sur l'exploitation Bervaros, mais c'était vraiment un truc rapide, quoi. J'essaierai de prendre le temps de vous expliquer les bases du course play, tout simplement avec mon course play à moi, mon mode à moi que j'utilise. Du coup, je vous expliquerai ça, je pense, dans un prochain épisode. Donc, ça sera pas sur. Je pense que ça sera épisode pas vendredi prochain, mais vendredi. Ou le mardi dans 2 semaines simplement. Donc voilà, je ferai un tuto. Donc du coup voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ça sur Facebook. Du coup voilà, ne vous inquiétez pas. Du coup voilà, donc je suis parti pour. Ok, on prend les pommes de terre. Bon bah écoutez les amis, je pense que je vais finir ça en off. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.